Très simple, ils vont me dire, tu nous fais chier avec ton football, file-nous plutôt des carottes à manger. You want some carrots? Hola, hello, bonjour, le football est fait de paradis mais également d'enfer et les euros n'échappent pas à cette règle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur anglais qui s'est baladé sur la highway to hell et qui a été sauvé par une philosophie à base de carottes. Étonnant, non? Allez, je m'explique. L'Euro 96 se passe en Angleterre, grosse équipe des Three Lions, avec en son sein un génie, Paul Gascoigne, qui a marqué au premier tour un but fantastique contre l'Écosse. Nous arrivons en demi-finale contre la score final un but partout, les tirs au but. Ils sont très adroits d'un côté comme de l'autre, 5 réussis, arrivent les tirs au but couperés. Beaucoup d'Anglais se défilent. Terry Venables, le sélectionneur, est ennuyé. Il croise le regard de Gareth Southgate et lui dit « C'est à ton tour ». Il ne se défile pas, Southgate. Mais pour tout dire, il ne le sent pas. Il a tiré un seul pénalty dans sa carrière et ça a été un désastre. Ça a entraîné son club Crystal Palace en division inférieure. Ce qui est très compliqué dans la séance des tirs au but, ce sont les 35-40 mètres qui vous séparent du point de pénalty où vous avez le temps de gamberger, où vous êtes sur l'autoroute de l'enfer. I'm on the highway to hell. Boom, 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 boom. Et Southgate, son tir est trop mou. Derrière, Andreas Möller, l'allemand, réussit le sien. Ils sont éliminés. Alors bien sûr, Southgate, depuis, en tant que joueur, comme sélectionneur, s'est racheté. Et Stuart Pearce, qui était l'un des premiers à le réconforter, est très fier aujourd'hui de son leadership, car comme au moment du pénalty, il fait front. Pearce, qui, dans les vestiaires, expliquera à Southgate, tu sais ce qui va se passer maintenant, Gareth? Eh bien, on va prendre nos affaires au centre d'entraînement, rentrer chez nous, moi je vais aller voir mes chevaux et je vais leur dire « Bon, ben, on a encore été éliminés contre l'Allemagne. » Et tu sais ce qu'ils vont me répondre? Je ne sais pas, dit Gareth. Très simple, ils vont me dire « Tu nous fais chier avec ton football, file-nous plutôt des carottes à manger. You want some carrots ?»